va parler ce soir de la compétence et plus particulièrement de la compétence dans le domaine de l'innovation. Alors un petit mot sur le concept de compétence, puisque vous êtes jeune, depuis l'école primaire vous entendez parler de compétence. Et c'est d'ailleurs un concept qui est apparu en premier dans le domaine de la formation et de l'éducation, hein, pour essayer d'être d'une certaine façon une alternative à la simple maîtrise des savoirs, parce qu'on commence à se rendre compte que c'est pas parce qu'on sait réciter par cœur l'énoncé d'un théorème ou d'une formule chimique qu'on a la compétence à l'utiliser bien. Et donc ça mène les spécialistes de la compétence à penser que la compétence, ça désigne une certaine maîtrise dans des situations plus ou moins complexes. Hein, c'est la définition que donne les spécialistes en général. C'est comme une boîte noire, et quand les gens ont la maîtrise de cette chose-là, eh bien, ils sont capables de gérer des situations qui peuvent évoluer, qui représentent une certaine complexité, et ils peuvent performer dans une situation de ce type. C'est très lié à des méthodes pédagogiques qui peuvent être très anciennes, hein, puisqu'elles sont dès le début de la pédagogie présente. Alors on n'employait pas le mot compétence, mais il y a cette idée que c'est quelque chose qui est proprement lié à l'individu, alors que vous le savez, le savoir c'est quelque chose qui est plutôt extérieur à l'individu. Ça pose le problème de savoir si l'éducation, ça revient à renforcer la maîtrise des personnes dans ce qu'elles sont capables de faire, de s'épanouir, parce qu'elles auraient à l'intérieur d'elles-mêmes la puissance de maîtriser ces situations, ou si au contraire, comme on l'a cru depuis la fin du 19e siècle, avec l'instruction publique, eh bien, l'éducation, ça consiste, à travers même le concept d'instruction, à faire rentrer des savoirs qui sont à l'extérieur des individus dans la tête des étudiants, des élèves, des petits-enfants, voire des adultes, avec les concepts de formation continue tels qu'ils existent depuis la fin des années 60, début des années 70. Le fait de lier la compétence fortement à l'individu ou aux situations en fait quelque chose qui est éminemment complexe et qu'il est assez difficile à décrire. Pour le faire, les dispositifs de formation mettent en place des référentiels de compétences. Les entreprises mettent en place des référentiels de compétences qui sont chargés dans le référentiel de décrire d'une certaine façon les divers métiers dont a besoin l'entreprise, les diverses tâches qui doivent être accomplies, les diverses situations de travail que les gens peuvent rencontrer. Et puis on sait aussi qu'à côté des dispositifs de référentiel qui parlent des processus de formation, eh bien, il y a encore un autre type de référentiel qui sont les référentiels de validation, qui ont trait à la façon dont on va faire en sorte que le diplôme pour celui qui l'a est représentatif du fait de maîtriser un certain nombre de savoirs, un certain nombre de connaissances, un certain nombre de compétences. Donc vous êtes dans une situation institutionnellement où si vous avez un diplôme, eh bien vous avez les compétences qui découlent de ce diplôme. L'emploi de l'auxiliaire avoir, du verbe avoir, là en l'occurrence, est intéressant parce que dès qu'on parle d'avoir, on parle d'être. Et donc vous savez que pour la compétence, il y a aussi deux options. On a la compétence à faire quelque chose et on est compétent pour faire quelque chose. Il est clair que les systèmes de validation, de certification, les référentiels de compétences cherche à savoir si on peut associer la compétence à l'individu de façon quasi automatique, comme si on lui mettait un badge. Et dans ce cas-là, on dira que quelqu'un a compétence à démarrer le processus dans l'entreprise le matin à 5 heures, parce que c'est le moment où ça va commencer à chauffer. Mais on dit même que le président a compétence à ouvrir la séance, ou que tel juge a compétence à déclarer telle chose, ou que le président de la République a compétence à signer les lois, qui peut très bien ne pas avoir étudié lui-même. Et donc on voit là qu'il y a une distinction forte entre le fait
qui est un fait institué, social, inscrit dans un système de règles, d'avoir compétence. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir compétence, c'est d'être compétent. C'est important parce que le mot « être compétent » ne s'attache plus à l'objet compétence, il est attaché à la personne qui va exercer cette compétence, dans des situations qui sont infiniment variées. Donc on se trouve dans une situation où peut y avoir énormément de situations de travail différentes, d'attitudes différentes dans chaque situation. Ce qui fait que ces albums, ces catalogues qu'on trouve dans les entreprises, qu'on appelle des référentiels de compétences, deviennent des objets absolument pléthoriques. Et puis, vous savez que si vous avez compétence à résoudre un problème, par exemple dans l'informatique moderne, si vous voyez un forum de discussion sur la façon de mettre en place la Livebox que vous venez de recevoir, vous verrez que la façon dont s'y prennent les gens peuvent être complètement différentes. Et que pourtant, chacun avec sa stratégie arrive à résoudre le problème. Donc si on veut décrire cette compétence, arriver à faire redémarrer ma Livebox qui se met à bugger, eh bien on s'aperçoit que déjà cette compétence, qui est une compétence extrêmement fine, eh bien, si on cherchait à la décrire, il faudrait examiner toutes les stratégies différentes qu'on peut employer pour la décrire. La situation actuelle des entreprises face à leur référentiel de compétences est de cet ordre-là. Il y a une énormité de tâches à accomplir et on va essayer de les décrire. Et si on se met à les décrire, on rentre dans un processus de travail qui est absolument colossal. De plus, vous savez qu'on est un monde en transformation permanente et donc que les tâches évoluent et que les situations elles-mêmes évoluent. Donc que ce travail de description, il faudrait le reprendre en permanence et le remettre sur table en permanence. Or, le métier d'une entreprise, sauf si c'est une entreprise de conseil en construction de référentiels de compétences, ce n'est pas de fabriquer des référentiels de compétences. Ça doit être un outil qui présente une certaine utilité pour gagner du temps, pour résoudre des problèmes, pour mettre en interaction des besoins et des offres, bref, pour avancer plus vite. Si pour fabriquer une machine qui va vous faire avancer plus vite, il faut perdre beaucoup de temps, le bilan au niveau du rendement est assez mauvais. C'est pour ça qu'on peut proposer un autre type d'approche. Finalement, qu'est-ce qui compte ? Pour une entreprise. Qu'est-ce qui compte pour un étudiant qui va devenir un chercheur ou qui va devenir un professeur? C'est-à-dire quelqu'un qui va se retrouver dans des situations où il va être face à des problèmes qu'il va devoir surmonter. Ce qui est important de voir, c'est que toute la vie, d'une certaine façon, sauf quand vous êtes dans des états de prière ou de contemplation ou de bonheur extrême, revient à peu près à surmonter des problèmes. Où on passe son temps à surmonter des problèmes. Il y a des problèmes qu'on aime surmonter. Par exemple, quand on est alpiniste, plus le passage est difficile, plus on est content, plus on est excité. Quand on est mathématicien, plus le problème est difficile, plus on a envie de s'y mettre. Quand on est un entrepreneur, plus le rapport au client est challengeant, plus on a envie de mettre de l'énergie dessus. Parce qu'on a non seulement une aptitude à le faire, mais un goût à le faire. On se mobilise, on est impliqué, on s'investit. Ce problème général qui consiste à dire qu'on doit résoudre en permanence des problèmes demande une énergie spécifique. Cette énergie spécifique, moi j'ai décidé de l'appeler la connaissance. La connaissance, c'est quoi ? C'est cette énergie qu'on a en soi qui nous aide à surmonter des situations. Soit des situations qu'on connaît bien, qu'on connaît déjà, pour lesquelles on a la connaissance, soit des situations qu'on ne connaît pas encore et pour lesquelles il va falloir connaître. Il va falloir apprendre, il va falloir se confronter à partir de tout un tas de choses. Alors finalement, on résout des problèmes avec quoi ? En matière de connaissance. Vous avez de la chance d'être français, pas parce que vous êtes français, mais parce que la langue française nous éclaire très très bien sur ça. Le mot connaissance, ça signifie, par exemple, votre aptitude à utiliser un savoir pour résoudre un problème.
Un savoir, c'est ça, c'est un stock, c'est une clé qui va vous aider à résoudre un problème quand le problème va être adapté au savoir. Et si vous savez bien marier l'un avec l'autre, alors vous en avez la connaissance et vous surmontez le problème. La connaissance, c'est aussi un bien-être dans un environnement donné. On appelle ça être en pays de connaissance. Quand, par exemple, vous avez travaillé pendant des années auprès de certaines machines, eh bien, vous avez une connaissance de la machine qui peut être extrêmement fine, sans en avoir les savoirs. C'est un phénomène fréquent en entreprise que l'ouvrier qui travaille sur une machine depuis plusieurs années perçoit qu'elle va tomber en panne alors que l'ingénieur continue à dire que non, tout va bien, elle marche normalement, le rendement énergétique est bon. Eh bien, il y a une perception qui est de l'ordre de la connaissance qui fait que quelque part, on anticipe un problème à venir. La connaissance, c'est aussi l'habitude que vous avez à manipuler de l'information, à circuler sur le web et à sentir que c'est en allant vers tel et tel lien que vous allez rapidement. Donc là, dans le web, vous êtes en pays de connaissance, vous savez maîtriser l'information et l'interpréter rapidement. Et puis, la connaissance, c'est une dernière chose. C'est cet ami, ce collègue, ce copain, ce collaborateur qui, lorsque vous ne savez pas faire, vient vous aider et résout à votre place le problème. La compétence, c'est ça. C'est l'aptitude que vous portez en vous et qui va pouvoir servir à d'autres. C'est pour ça que c'est tellement important en entreprise, c'est pour ça que c'est tellement important quand vous travaillez ensemble pour n'importe quoi, dès que vous avez une activité coopérative, collective. Dès que vous devez gérer des processus en transformation rapide pour lesquels il est important d'être plusieurs en même temps à assurer plusieurs tâches. À partir de ce moment-là, le fait de savoir où sont les compétences va vous permettre de combiner rapidement des solutions hybrides. Donc, ce sur quoi j'insiste bien, le fait que ce qui est important, c'est de savoir trouver la compétence, de trouver la connaissance au moment où on en a besoin. Alors, très rapidement, ça induit une méthode dont la philosophie est la suivante. Si vous prenez une organisation, eh bien, ce qui est clair, c'est que le propre d'une organisation, c'est que de prendre des choses dans un état et de faire en sorte que les choses ressortent de l'organisation dans un meilleur état. Prenons par exemple une université. Eh bien, la prétention et l'honneur d'une université, c'est de prendre des étudiants entrant dans un certain état et d'en faire des étudiants savants en sortant de l'université. C'est parce qu'elle réalise cette performance qu'elle mérite d'être appelée une bonne université. Donc ça veut dire que dans l'université, il y a des gens qui ont travaillé à un processus de transformation, donc qu'ils avaient des compétences à le faire. Donc pour l'instant, on a notre boîte noire. On voit que quelque chose rentre et que quelque chose sort. Et à l'intérieur, il se passe des choses. Donc les méthodes classiques d'approche de compétences vont consister à avoir toutes les tâches et toutes les activités qu'il y a dans l'organisation, à les décrire, à sortir des fiches, à faire des atlas de compétences, des référentiels de compétences, et dans lequel, eh bien, ce qui va être bien dans ce système-là, c'est que ça ressemble bien à ce qu'il y avait, puisque vous l'avez décrit. C'est facile à comprendre, on a une vision détaillée des choses. L'inconvénient, c'est que ça demande énormément de travail, et que c'est très difficile à entretenir. Et puis que, curieusement, ce sont surtout ceux qui ont travaillé à fabriquer les fiches qui comprennent comment s'en servir, et ceux qui n'y ont pas participé ont beaucoup de mal à exploiter le système. Parce que très rapidement, sur le système, on va faire des classes de compétences, puis des surclasses, des catégories, et il va falloir monter toute une architecture pour pouvoir exploiter convenablement toute cette richesse, parce que c'est une richesse. C'est une richesse d'information incontestable, qu'il ne s'agit pas de dénigrer, mais il faut en voir les limites, parce que dans la majorité des cas, seuls les connaisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont fabriqué le système, savent vraiment l'exploiter.
C'est pour ça que, par exemple, les directions de ressources humaines en entreprise sont très fières d'avoir des référentiels de compétences, parce que j'espère que j'ai choqué personne en disant que quelque part, c'est leur château fort. Hein, et c'est leur bastion, c'est celui à partir duquel, comme ils le connaissent bien, eh bien, tout le monde va devoir les interroger pour qu'ils puissent renvoyer ce que dit le système de référencement des emplois, des postes, des qualifications et des compétences. Parce qu'on pense que, en particulier dans les situations d'innovation, qui sont des situations d'imprévisibilité, de transformation réelle, eh bien, on ne peut pas prévoir à l'avance ce qu'il doit y avoir dans le système. Il faut trouver une nouvelle approche. Cette nouvelle approche, c'est vraiment un changement de paradigme, comme on dit, extrêmement violent, parce qu'on va abandonner l'idée de décrire les choses, mais simplement de les repérer. On ne va pas chercher à savoir ce que c'est qu'une compétence, on va simplement chercher à savoir où on la trouve quand on en a besoin. Vous savez, quand vous voyagez, vous partez toujours avec deux objets, une carte et un guide. Le guide, il vous décrit les situations. La carte, elle vous repère les endroits où vous êtes et les endroits où vous voulez aller. Une carte, c'est fait à partir d'un système de repérage. Dans les cartes, il y a des longitudes, des latitudes, ou bien dans les plans de ville, il y a des lettres et des nombres qui font des carrés. On vous dit, dans ce carré, il y a ce que vous cherchez. Eh bien, là, on va chercher à faire exactement la même chose. On va essayer de construire un système de repérage universel de tout ce qui permet de surmonter des problèmes. Donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, moi j'y vois pas grand-chose. Voilà, ce sont des méthodes conceptuelles, donc on va dire, là il y a un espace dont on ne sait pas très bien ce qu'il est, mais dont on sait qu'il existe, puisqu'il a été porteur d'un processus de transformation, et qu'il est porteur d'un processus de transformation, eh bien, on va inventer des concepts qui vont repérer des choses comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Bref, on va définir quatre dimensions de repérage, comme dans un plan, vous en avez deux, ou comme dans un espace euclidien, vous en avez trois, ou comme dans l'espace-temps, vous en avez quatre. Là, on aura quatre dimensions et on pourra dire de chaque problème, eh bien, tiens, mon problème, il se situe plutôt là dans ce type de dimension, plutôt là dans tel autre type de dimension, etc., etc. Et on créera comme ça un repère. Alors, l'inconvénient majeur de cette méthode, eh bien, c'est qu'au départ, le langage va vous sembler abstrait, hein, et nouveau. Parce qu'incontestablement, l'approche, elle est nouvelle. Pourquoi ? Parce que, vous avez peut-être entendu ce que j'ai dit, pour repérer les individus compétents, les sources de savoir, les bonnes sources d'information, les bons témoignages, eh bien, vous n'allez pas en parler à partir de ce qu'ils sont, mais à partir des problèmes qui sont susceptibles de résoudre. Donc déjà, vous vous détachez de la chose pour en parler à partir de son négatif. Parce que le négatif de la connaissance, c'est évidemment le problème, puisque le problème, c'est la situation dans laquelle la connaissance vous manque, ou bien la connaissance n'agit pas encore. Donc on va structurer, on va avoir un langage qui va vous aider à explorer le type de problème dans lequel vous vous trouvez. L'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez accepté cette abstraction, eh bien, vous allez voir qu'elle peut s'appliquer à peu près à toutes les situations et à tous les types de besoins. Des situations technologiques, de management, de prise de connaissances, de formation, mais aussi pour exprimer l'offre de connaissances ou de compétences que vous faites. C'est-à-dire, vous allez dire, au lieu de dire « je sais bien utiliser le théorème de Pythagore », vous allez dire, ben, si un jour vous vous trouvez dans un endroit à construire un mur et que vous n'avez ni fil à plomb, ni équerre, comment être sûr de faire des bons angles droits? Eh bien, quelque part, vous pourrez dire, moi, ça, je sais faire, parce que vous avez vraiment compris au fond ce que c'est que le théorème de Pythagore, et vous savez qu'avec une bonne corde à 9 nœuds, eh ben, vous arrivez à fabriquer tous les angles droits que vous voulez. Donc,
c'est quelque part vous positionner ce que vous savez ou ce que vous êtes ou votre énergie à l'endroit où les autres risquent d'en avoir besoin. De la même façon, et c'est ça qui est le plus important, celui qui a un besoin, c'est justement celui qui n'a pas la connaissance. Donc s'il n'a pas la connaissance, comment voulez-vous qu'il trouve la bonne fiche qui va répondre à son problème ? Par contre, il sait le problème qu'il a, donc il sait le repérer. Il va pouvoir repérer son problème en disant « mon problème, c'est un problème humain, ou c'est un problème technologique, ou c'est un problème financier, etc. etc. » Et il pourra dire « j'aurais besoin de ça ou de ça pour que m'en sortir, et ça concerne beaucoup de gens, ou très peu de gens, ou moi tout seul, etc. etc. » Et avec des catégories de ce type, il arrivera à donner un profil à son problème qui va lui permettre de trouver les ressources, les richesses que les autres auront mis à cet endroit-là. On aura donc une table qui permet de faire correspondre de l'offre et de la demande, et voire même l'apport de ressources, de formation ou de conseils pour mieux s'orienter à l'intérieur de la carte que ça va faire. Donc, voilà l'idée simple. On peut s'amuser à faire un exercice à partir de ça pour voir avec vos petits machins quelle est l'idée qui vous permettrait d'agir là-dessus. Alors, voilà, ça c'est une situation problématique qui concerne des gens, qui concerne pas mal de gens. Clairement, si on arrive à faire ça, eh ben, on peut toucher une innovation assez intéressante, parce qu'on sait que le rationalisme règne en maître sur tous ces problèmes d'optimisation. Et donc, est-ce que c'est possible de voir autre chose ? Donc, sur cette situation-là, on va vous interroger et vous dire, premièrement, alors, je ne sais pas si vous avez retenu la situation, mais on vous la rappellera régulièrement. Qu'est-ce qui vous serait le plus utile pour arriver à commencer à maîtriser cette situation ? Donc, on vous propose quatre espaces de vocabulaire, hein, disons groupe sémantique, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et il va falloir qu'à un moment donné, vous leviez votre petit carton pour me dire si d'après vous, ce problème d'optimisation, de travail en groupe, pour arriver à faire en sorte qu'un processus complexe qui est basé sur le branchement à la fois d'hommes et d'automatismes arrive à un temps le plus court et qu'on voit après si c'est le bon, c'est-à-dire qu'on puisse le surtester. Eh bien, d'après vous, dans quelle catégorie vous inscririez le besoin que vous avez ? Donc, vous avez la situation, vous espérez avoir un résultat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour obtenir ce résultat ? Alors, réponse A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite... Donc 8, quelqu'un peut retenir que vous l'ayez sous... Ah ben non, ben c'est bien. Réponse, vous rappelez de vos réponses, hein ? 8. Pour la réponse B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Réponse C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Réponse D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bon, on en a perdu deux dans la nature, c'est pas grave. C'est peut-être moi qui ne sais pas compter, hein. C'est normal.
Alors, quel est, d'après vous, le contexte dominant de la situation problématique? Donc, vous voyez comment on analyse le problème. Hein. On cherche à regarder qu'est-ce qui permettrait d'en sortir, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour obtenir le moyen d'en sortir. Maintenant, dans quel contexte se situe ce problème-là? Alors, réponse A. Six, sept. Réponse B. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Réponse C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Réponse D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ah ben là, je suis pas bon, hein, j'en ai perdu 4 en route. Ça fait 46. Bon, ben ça passe dans le trait. Et puis, bénéficiaire. Donc maintenant, si on arrive à maîtriser cette situation, c'est une question importante. Quand vous avez une compétence, grosso modo, vous avez cette compétence, elle vous permet d'obtenir un résultat en faisant quelque chose, une action particulière, grâce à un environnement favorable, ou si vous n'avez pas la compétence défavorable, et au profit de quelqu'un, d'une structure, d'un groupe, de la société. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout pareil d'avoir une compétence à l'utilisation d'Excel pour vous-même et gérer votre comptabilité, que d'avoir une compétence à ça parce que vous travaillez à l'INSEE ou bien que vous avez un projet politique dont vous vous dites qu'en manipulant bien cet instrument, vous communiquerez mieux et donc vous arriverez à transformer la société. Donc la, ce qu'on appellerait la finalité est un moyen aussi de parler d'un problème. Généralement, on connaît le bénéficiaire parce qu'il n'est pas content. C'est-à-dire parce qu'il n'a pas le bénéfice qu'il est escompté. Quand vous cherchez dans un problème à vous dire, mais ben vous cherchez qu'est-ce qui souffre le plus du fait qu'il y a le problème. Alors là, on vous propose soit que ça soit des individus, soit des groupes d'individus, soit des organisations qui sont citées, soit ce que j'appelle des multitudes, c'est-à-dire des ensembles d'individus. Les clients, le marché, les enfants et les élèves, les étudiants, hors de, indépendamment de toute structure, comme catégorie sociale. Donc, je reviens toujours sur notre affaire, d'après vous. Je dirais quand vous serez prêt, d'un seul élan. Bon, alors, pour A. D'accord. Sympa. Pour B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pour D. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13. OK. Donc on va essayer de voir quels sont les... Alors là, vous avez les dominants particuliers, mais vous avez bien compris
que le dominant dans la catégorie action, c'est le fait de produire, dans lequel en plus il y avait des verbes de conception. Hein? Le dominant dans les bénéficiaires, ben, c'est l'entreprise, c'est-à-dire que si on réussit à optimiser ce processus, ben, c'est bien, on est bon. Le dominant dans du contexte, c'est le process. Bon, peut-être vous avez été influencé par le mot même qui était dans la situation problématique. Et puis dans les résultats, ben, ce qu'on vous cherchait à avoir, c'est surtout de l'interconnexion, de la mise en rapport, du lien, etc. Donc si on fait la synthèse, quand vous faites des coordonnées avec un repère, eh bien les zones, elles sont mises par les croisements des coordonnées. Donc là, on va prendre les coordonnées, ABCD dans chacune, et on va les croiser. Donc ça va faire 4 fois 4 fois 4 fois 4 zones, 256 zones particulières, qui chacune vont avoir une position dans chacune des dimensions. Donc si je clique là-dessus, j'obtiens ce dessin-là, qui réfère au référentiel Promising dont on parlera tout à l'heure, où on parlera même rapidement pour avancer. Et on s'aperçoit qu'il y a une pointe qui domine toutes les autres et sur laquelle se trouve la valeur la plus élevée, compte tenu du fait que la valeur a été fonction du nombre de personnes qui ont répondu sur la catégorie pour chacune des catégories. Pour avoir une différenciation un peu visible, j'ai fait le produit des personnes divisé par la somme des personnes. Donc, ça fait émerger celle-là qui, en fait, va s'appeler manager les projets d'innovation pour produire des technologies et des brevets. Alors c'est quand même assez intéressant d'abord de voir que le problème est réellement complexe, parce que si on avait fait ça avec un problème simple, on se retrouvait avec des pics beaucoup plus concentrés et des zones complètement écartées. Là, il y a assez peu de zones qui sont écartées. Hein, par contre, il y a une grosse concentration là sur cette zone, mais on voit bien que l'idée qui a été introduite dans le référentiel Promising, c'est-à-dire le nom qu'on donne à chacun de ces croisements, eh bien, souligne, ça serait bien que j'attrape, le fait qu'on a un problème de management, puisqu'il y a beaucoup de gens. Hein? Voilà. Voilà. Manager les projets d'innovation. Donc clairement, il y a un projet nouveau de mise en place d'un processus et on espère qu'à l'arrivée, eh ben, peut-être ça va produire en tout cas des idées nouvelles, soit sous la forme des technologies, voire même l'obtention de nouveaux brevets. Donc, on va commencer par regarder derrière ça s'il y a des ressources, s'il y a des gens qui ont inscrit des compétences, s'il y a des gens qui ont inscrit des savoirs, des résultats, des objets techniques qui pourraient nous servir. Et la solution Promising permet de faire ça de façon beaucoup plus simple que je vais vous montrer maintenant. On a dans le cadre du programme Promising, ça va, ah oui, conçu une solution dans laquelle idéalement, n'importe qui peut intervenir anonymement pour se positionner en fonction de ses intérêts. Ses intérêts peuvent être multiples. Ça peut être qu'il est étudiant, il vient de sortir de la fac, il sait qu'il est bon pour un certain nombre de choses et qu'il a envie de faire des choses. Et il va pouvoir le dire. Mais ça peut être aussi un employeur qui se dit « Moi, j'ai des gros problèmes, j'aimerais trouver des gens motivés pour résoudre des problèmes de tel et tel type. » Les gens vont s'inscrire avec la méthode que vous avez vue tout à l'heure,
mais qui est outillé par un logiciel, ils vont en témoigner, et ça va permettre de matcher les positions qu'ont prises les offreurs de compétences, c'est-à-dire vous à la sortie de vos études, avec les positions qu'ont prises certains employeurs qui ont dit « nous, on a des besoins qu'on repère à tel et tel endroit ». Et donc, dans la carte, vous vous retrouvez au même endroit, et vous aurez la possibilité de vous rencontrer si vous voulez, ou en tout cas que ça peut influencer votre position, parce que si vous apercevez que si les zones sur lesquelles vous inscrivez ce que vous avez envie de faire ne correspondent à l'expression d'aucun besoin, vous pouvez continuer à penser que c'est ça que vous avez envie de faire, mais vous n'aurez pas à vous étonner de vous apercevoir que ben, il n'y a pas de débouché, comme on dit. Vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui corresponde. Donc, on va se connecter à cette plateforme. Alors, on va tout de suite aller à la fin du résultat pour que vous voyez ce que ça donne. On est, à travers cette expérience Promising, il y a eu une cinquantaine d'appelés pour venir dans l'expérience. Il y a eu une trentaine de personnes qui sont venues dedans. Certains se sont positionnés sur une seule zone. D'autres se sont positionnés sur une douzaine de zones. On peut voir chacun la place qu'on a pris dans la cartographie. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez les zones sur lesquelles je me suis positionné. C'est les grands pics blancs. Je regrette pour vous que l'image ne soit pas plus teintée. Quand on voit l'écran d'ordinateur, c'est beaucoup plus lisible. Ce qui est intéressant, c'est que vous soupçonnez qu'il y a des cases colorées au milieu des cases noires. Ce sont des zones sur lesquelles d'autres gens que vous ont pris position. Donc vous avez possibilité, moi sur mes cases blanches, je vois que les pics ont des hauteurs différentes. Là, en l'occurrence, ils sont d'autant plus hauts qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont positionnées avec moi sur ces zones. Si vous faites appel à toute la population, vous allez voir tous les pics grandir pour vous dire où se situent les zones de problème sur lesquelles il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés et d'autres peu. La hauteur de ces pics pourrait être réglée d'autres façons. On pourrait les régler en fonction de la quantité d'offres, de la force de la motivation que les gens ont mis à s'occuper de ce type de problème plutôt qu'un autre, de la force de la demande, de son intensité, voire d'un lien, d'un coût qu'on pourrait accepter de sacrifier si des gens venaient s'occuper du problème qui est situé à cet endroit. Vous retrouvez ici un tableau où il y a les quatre dimensions qui sont complètement symbolisées. Ce n'est pas ce soir que vous allez apprendre. Mais par exemple, vous retrouvez ici la case qui parle des individus, des personnes, ici des groupes, ici des organisations, ici de tous les réseaux de partenaires et tout, et ici de la société dans son ensemble. Là, vous voyez que vous avez les actions d'input, d'introduction, d'acquisition, là de conception, là de fabrication, là d'output, de diffusion, etc. On retrouve nos quatre dimensions avec les grands concepts à l'intérieur de chacune de ces dimensions. On verra rapidement tout à l'heure comment on les repère facilement. Et bien maintenant, je peux explorer ces zones. Et par exemple, je peux me dire par rapport à mon problème de tout à l'heure, qui pouvait concerner beaucoup de personnes, mais aussi des problèmes de process. Donc je pense que le process, il doit être ici. Bien, à l'intérieur de ça, je m'intéresse à tous les problèmes sur lesquels il y a des gens, vous voyez, imaginer, créer avec d'autres, etc. Donc on pourrait la regarder plus précisément, la faire défiler. Pas gentiment, elle fait défiler celle du dessous. Bon, c'est comme ça. Mais ce qui va... Donc je découvre ici un certain nombre de zones problématiques, on ira voir tout à l'heure. Mais je peux aussi regarder si j'ai des ressources qui ont été déposées à cet endroit-là. Eh bien, je vois que sur ces problèmes-là, j'ai un référentiel, j'ai un rapport qui a été écrit par Claude Bertrand sur l'avenir des universités,
Donc, c'est tout ce qui concerne les étudiants et un domaine, une organisation précise qui est celui de l'université, et des problématiques de compétences. Pourquoi ? Parce que les problématiques des compétences sont des problématiques humaines qui regardent les organisations. Et donc, vous pourriez très bien, à partir de ça, découvrir la ressource en question qui a été déposée par quelqu'un, voire même aller lire l'article sur le référentiel de compétences que vous trouvez sur le web. D'un autre côté, vous voyez que cet objet a été aussi repéré par le fait qu'il peut aider les individus à produire des savoirs sur des processus de compétences complexes. Voilà. Donc, les symboles qui sont là renvoient à des compétences, mais là, on ne vous met pas le titre, je suis désolé, je vais passer vite parce qu'il y a un bug. On va revenir... Et là, qu'est-ce que vous lisez ? Vous rentrez à l'intérieur d'un repère qui s'appelle « Imaginer, créer avec d'autres personnes, créativité pour faire de l'innovation organisationnelle ». Donc ça, c'est le nom que j'ai donné. Non, pas c'est moi qui l'ai donné, celui-là, puisque je ne l'ai pas encore. Je sais que je ne l'ai pas, mais je pourrais le mettre dans mon portrait si je voulais, parce qu'il m'intéresse. Mais il y a d'autres personnes qui sont intéressés à cette affaire. Et vous voyez que c'est un repère qui va concerner les problèmes humains de l'organisation pour laquelle on essaie de concevoir une solution complexe. Là-dedans, j'ai solution, satisfaction, intérêt, tout le problème de la valeur, des systèmes, de la complexité, etc., etc. Donc, je ne sais pas si... Pourquoi on a fait ça ? Parce que dans les processus d'innovation, on ne peut jamais prévoir à l'avance quelle va être la nouvelle situation. On rencontre des situations qui sont nouvelles et qui dit nouveau, dit effort, d'innover quelque chose, c'est-à-dire de faire rentrer ce nouveau pour pouvoir créer quelque chose à partir de cette nouveauté. N'oubliez jamais que le mot « innovation » dit ça, il dit innover, c'est-à-dire mettre du nouveau dedans. Et le plus souvent, le nouveau qui arrive dans une organisation est quelque chose qui fait désordre. C'était vrai quand vous étiez petit, en classe, le nouveau, souvent, il posait des problèmes. Hein, il était là, on ne savait pas comment l'intégrer, il fallait changer les rapports, il fallait imaginer quelque chose, et peut-être qu'il vous apprenait un jeu nouveau, où il apportait des connaissances nouvelles. Mais l'innovation, c'est toujours cette étrangeté, cette chose qui apparaît comme un parasite au départ, qu'il va falloir intégrer, et il va falloir l'intégrer avec l'existant. Donc là, vous allez stocker... Ah ben, dites donc, il y en a des écrans. Là, vous avez stocké plein d'informations, et vous retrouvez derrière ou des ressources ou des personnes. Là, vous savez que sur... ce point-là, il n'y a qu'une personne qui s'est positionnée. Vous aimeriez peut-être la rencontrer. Eh bien, si vous voulez la rencontrer, il faut vous positionner sur ce repère-là. C'est donc très facile. Vous allez dire deux choses. Une première chose qui est que vous l'associez à votre portrait. Donc, il s'appelait « Imaginer et créer ». Donc, vous allez maintenant dans la liste de vos positions. Vous allez à la recherche de ce repère. Imaginez créer avec d'autres personnes. Vous voyez que vous n'avez pas encore pris position dessus. Donc, vous allez l'ouvrir. Vous allez prendre position en disant que vous aimeriez rencontrer la personne parce que pour vous, c'est un gros problème. Donc, vous dites que vous êtes demandeur. Que ça, si vous aimeriez bien que quelqu'un d'autre vienne à votre place le faire. Vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce repère. C'est la raison pour laquelle vous venez là. Vous pouvez dire, moi, mon problème, c'est que
J'arrive jamais à m'en sortir dans des problèmes de gestion de situations nouvelles, par exemple. C'est ça, votre affaire. Vous pouvez l'appeler comme ça, si vous voulez. Vous pouvez garder ce nom. Vous pouvez choisir dans la liste un autre nom qui a été apporté par d'autres personnes. Ça vous intéresse. OK, j'arrive. Je valide ça pour vous montrer une dernière chose. Voilà, oui. Maintenant, ben, vous voyez que vous avez pris une position rébarbative. D'accord. Mais là, vous pouvez, maintenant que vous avez pris position dessus, envoyer un message pour initier une rencontre avec quelqu'un dont la seule chose que vous savez, c'est qu'elle partage des intérêts proches du vôtre. C'est-à-dire qu'elle est liée à la situation comme vous. Peut-être qu'elle est liée positivement, alors que vous vous y êtes lié en demandeur. Dans ce cas, il y aura une complémentarité entre vous, ça peut marcher. Elle peut avoir le même problème que vous, et donc cet intérêt peut aussi vous apporter quelque chose de positif. Voilà, et donc vous écrivez votre message, vous le renvoyez, l'autre, elle est libre de répondre ou pas répondre, et vous arrivez à mettre en place une conversation qui, si elle se gagne en intensité, pourra aboutir à une rencontre effective. Donc c'est ça la solution Promising qu'on a testée ces dernières périodes et sur lequel il y a eu peu de rencontres qui ont été initiées. Voilà, donc je viens vers vous. Vous voyez ici que sur la position, il y a une position de demandeur qui est en rouge, puis une position d'offreur qui est en bleu. Quelqu'un levait le doigt pour poser une question. Sur un groupe existant. Là, ça a l'air théorique, la question. Non, ça, c'est l'expérimentation Promising, sur laquelle la trentaine de personnes est venue, a fait des manipulations. Il est évident que c'est une situation purement expérimentale, dans laquelle on a peu pensé la motivation des gens, c'est-à-dire le gain qu'ils auraient à faire ça. C'était un gain purement théorique pour savoir si les principes logiciels fonctionnaient, si les gens se retrouvent avec cette appréhension des zones à partir de nuages de points, est-ce qu'ils ont envie de changer les intitulés ou pas? Alors ça a été un point marquant. Il y a eu beaucoup de demandes de changement d'intitulé. Donc il y a une capitalisation qui se fait. C'est-à-dire sur le même problème, les gens en parlent de façon différente. Et ça c'est intéressant parce que c'est la marque même des situations complexes. C'est complexe quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Si tout le monde est d'accord, ce n'est pas complexe. Ça peut être très difficile. Ce n'est pas complexe la face nord de la Meije. C'est simplement extrêmement difficile. Mais où on passe ou on ne passe pas, quoi. On ne change pas d'avis. Ce n'est pas pareil que de régater à certains endroits. Il faut tenir compte du vent, de ceci, de cela, de multifacteurs. Et qu'il y en a un qui veut faire une chose et un autre une autre. Vous voyez. Bon, donc c'est bien pour ça que ce système essaie d'appréhender et de maîtriser la complexité. Alors, au sens où vous posez la question, est-ce qu'il y aurait un groupe, quelque part, qui, à la fois, déposerait des compétences comme offreur et avec des employeurs qui déposeraient des profils de demande, avec ça, non. Il y a eu, avec les technologies des arbres de connaissances de la société d'avant, beaucoup de, même plus des expériences, là, des vrais chantiers. Par exemple, chez EDF, on a fait des milliers de profils de compétences à partir de principes moins sophistiqués que cela, mais dans le même état d'esprit. RTE, France Télécom, enfin, tous les grands, Accenture et tout. Mais pour l'instant, cette technologie, elle sort des labos, si je puis dire. Hein. Il y a encore des choses à perfectionner. On peut dire, là, par exemple, j'ai passé l'après-midi à l'IUT 2 Pro, c'est ça le... Voilà, où il y a une plateforme qui est en place et qui, dès qu'ils vont avoir finalisé le projet pour les étudiants, qui, à moins que ce soit interdit de le dire, va consister à témoigner des situations de stage
les situations dans les stages, celles qu'ils ont bien aimées, celles qui ont été difficiles pour eux, de les repérer avec ce système-là. Ça va permettre de construire une cartographie du vécu des étudiants en stage. Voilà, ben ça commence dans quelques semaines, quoi. On a un contrat avec l'Université de Toulouse pour faire ça avec les étudiants de l'Université de Toulouse-Le Mirail, qui est en reconstruction actuellement. Donc quand l'université sera terminée, ça devrait se faire là-bas. Il y a divers projets. On est en train de, d'ici le début du mois de janvier, il y aura une application grand public qui servira de cette façon de nommer les problèmes pour indexer les pages web que vous trouvez intéressantes. Parce qu'on pense que la mémoire des gens se réveille quand ils rencontrent un problème analogue à celui qu'ils avaient déjà rencontré, mais ils ne se rappellent pas forcément des objets qui leur avait permis de surmonter la situation d'avant. Donc quand vous avez une page que vous trouvez intéressante, vous l'indexez en fonction du problème qu'elle vous a permis de surmonter, ou tout au moins d'attaquer. Et puis, elle va dans la base avec sa signature. Puis quand 6 mois après, vous vous retrouvez dans le même problème, vous réinterrogez le système et vous retombez dessus. Vous retombez sur l'objet qui peut être... Un objet au sens base de données, qui peut être un collaborateur, un ami, un article, un livre, une vidéo, etc. Vous l'avez vu d'ailleurs, là on a retrouvé un article sur les compétences, parce qu'on s'intéressait aux problèmes humains au niveau de l'organisation. Moi, ce que je crois important de souligner, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait de l'innovation qu'on est dans un monde séparé du monde réel. C'est-à-dire, les innovations, elles naissent d'un champ organisé, stabilisé, où il y a des processus de production qui sont bien en place. Puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on perd par rapport à la concurrence, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, il y a des machines nouvelles qui seraient bien d'intégrer, mais ça va bouleverser des choses, etc. Donc d'un côté... Il y a une référence, il y a une stabilité dans l'entreprise avec des compétences qui sont des compétences métiers qui existent. À cause de ça, on a mis en place des systèmes de description de compétences qui sont tellement lourds et tellement longs à mettre en place, et je pense qu'il arrivera la même chose avec les ERP dans quelques temps, si ce n'est déjà dans certaines entreprises, qu'on s'est donné tellement de mal à bien fixer un certain nombre de choses qu'on a une peur absolument terrifiante d'avoir à les remettre partiellement en cause parce qu'on pense que le château de cartes va s'effondrer. Donc le problème, ce n'est pas de définir les compétences d'innovation comme des choses complètement séparées. C'est de voir si on peut mettre en place des outils qui gèrent la transformation continue des compétences en fonction des situations. C'est la raison pour laquelle on essaie d'avoir des approches floues. Parce que ce qui caractérise le mouvement, c'est que vous ne pouvez jamais dire là où vous êtes. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une incertitude sur la localisation que le mouvement est possible. Si dans un mouvement, vous pouvez dire où sont les choses, à chaque moment, alors... vous allez tomber dans le paradoxe de Zénon que vous avez appelé en cours de philosophie, où finalement la flèche n'arrive jamais, parce que pour arriver à la fin, il faut qu'elle arrive au milieu, et pour arriver au milieu, elle doit arriver au quart, et puis elle doit arriver au huitième, et finalement, la flèche qu'on lance reste toujours en place. Vous voyez ? Donc, quelque part, la tentative, c'est de pouvoir gérer des références en dynamique. Et on a tendance à dire que la structure des problèmes est infiniment plus stable que la structure des solutions. Parce qu'il y a des grands types de problèmes qui sont caractérisés par ces 4 dimensions. C'est-à-dire, vous, dans une entreprise, vous avez des problèmes humains, vous avez des problèmes de régulation, vous avez des problèmes de technique, vous avez des problèmes d'accès au business et à la valeur, etc. etc. Et ça, c'est des zones...
qu'on peut arriver, par des approches floues, à différencier les unes des autres. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça n'empêche pas le groupe d'avoir des points de vue différents dessus. Le fait est qu'à un moment donné, émerge quelque chose qui dit majoritairement quelque chose du problème qu'on avait soulevé. Non, ce qui est important, c'est que vous, vous rentrez vos compétences. Pourquoi ? Pour vous vendre. Pour vous, pas vendre, parce que ça fait vulgaire dans une université. Pour vous valoriser. C'est-à-dire, vous voulez vous mettre en valeur. Valeur économique, valeur narcissique, valeur morale, valeur politique, peu importe. Et vous dites, mon problème, c'est ça. Vous déclarez que c'est votre problème. Et il est là, personne ne vous pousse à le faire. Là où on peut dire que l'affaire est tendue, c'est quand vous dites « je suis bon pour résoudre ce type de problème ». Vous allez le dire avec vos mots. Si vous voulez, quand vous avez un problème humain de constitution d'équipe, c'est une affaire vraiment difficile, la constitution d'équipe dans une entreprise, hein, ce qu'on appelle le staffing. Il y a des gens qui vont dire « oui, moi j'ai une solution ». J'ai un bon logiciel qui fait ça. Un autre, il va dire, moi j'ai une méthode. Je sais bien la manipuler, je peux vous aider pour le faire. Un autre va dire, moi j'ai un jeu, c'est génial parce que tout de suite on voit que les gagnants, c'est ceux qui vont travailler ensemble, etc. etc. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, ben finalement, c'est un peu de tout ça qui m'intéresse. Alors après, elle prend quoi comme risque? Et prends le risque que vous êtes exposé à dire « moi, je suis capable de faire ça » et que vous ne soyez pas capable de le faire. Eh bien, c'est pour aussi leur apprendre à aller voir leurs compétences. À partir de quoi? Non pas à partir de l'examen du diplôme qui dit « maintenant que vous avez le diplôme temps, vous pouvez faire ça, 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 ça », mais à partir non seulement de ce que vous avez appris, c'est-à-dire « je me sens capable », mais surtout, j'ai envie. C'est-à-dire que l'envie, la motivation, dans l'exercice d'une compétence, c'est un facteur absolument déterminant. C'est-à-dire que souvent, moi je peux vous dire, j'embauche des développeurs depuis 25 ans, je regarde plus la passion qu'a le bonhomme à se dire « moi je veux rentrer dans votre entreprise parce que ça me passionne » que de savoir si c'est le champion du C++. Hein, c'est parce que je sais que le champion du C++, il va s'asseoir sur son trône et il va faire son taf, comme on dit, bien tranquillement. Il n'aura pas l'imagination et puis sa courbe d'apprentissage sur des technologies nouvelles peut être faible. Tandis que celui qui est passionnant, qui est passionné plutôt, d'abord il est passionnant et ensuite il a une courbe d'apprentissage qui généralement est bien meilleure. Alors le risque que prend l'entreprise, c'est quoi? C'est de prendre quelqu'un qui vous a trompé sur la compétence. Alors, pour moi, il y a deux arguments là-dessus. C'est que, un, évidemment, le système retiendra. C'est toute l'économie de la réputation que vous connaissez parfaitement sur Internet. Vous n'allez jamais sur Price Minister vers un vendeur qui est noté en dessous de 5. Par contre, s'il est noté 9,5, vous lui faites confiance et vous lui commandez l'objet qu'il prétend vous vendre. Donc la réputation, c'est un truc qui marche. Et je peux vous dire, chez Uber, par exemple, les taxis, puisqu'on en parle beaucoup, il y a non seulement un processus de réputation du conducteur, mais il y a aussi, et ça des gens ne le savent pas, un processus de réputation du passager. Et les conducteurs finissent par savoir quels sont les passagers emmerdants, qui pèlent mal, qui refusent, qui grognent, et quels sont ceux qui rentrent dans le jeu, qui sont sympas, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de cette affaire sur... Moi, je pense que cette économie de la réputation, même si elle n'est pas financiarisée, elle aura beaucoup d'importance dans les rapports sociaux et dans les rapports dans les entreprises à venir. La deuxième chose, c'est que pour qu'une entreprise soit sûre que celui qui dit « j'ai une compétence là », le prix à payer est prohibitif. Ils vont prendre des chasseurs de tête, ils vont faire des tests, ils vont faire des entretiens, et tout ça, il faut le compter en temps. Le chasseur de tête, il vous prend déjà 10% du salaire annuel. C'est pas rien.
Des tests, vous avez des psychologues qui les vendent derrière, qui les interprètent ensuite. Après, vous avez des entretiens, vous avez le N plus 1, le N plus 2, le N plus 3 qui veut vous voir. Pendant qu'ils vous voient, ils ne font pas leur boulot. Si vous faites la somme de tout ce que ça coûte, eh ben, le fait de dire « Ah, vous voulez faire ça? Vous êtes vraiment motivé? Comment ça va ? » Ben, tenez, on va essayer. Après tout, il y a un truc qui s'appelle la période d'essai en entreprise. Elle ne se gêne pas pour en abuser. Et puis, j'ai appris que 85% des gens qui étaient employés maintenant, ils étaient pris sur des CDD et puis sur des CDI. Donc, je veux dire, on prétend que ça sert à ça. Moi, j'ai vécu ça chez France Télécom quand on a fait un arbre de connaissances sur les équipes de ce qu'on appelait à l'époque la branche développement. Il y avait tout le CNET d'un côté et la DSI de l'autre. Donc, c'est quand même 10 000 personnes hein, dans ces équipes. C'est que très rapidement, vous voyez qu'il y a des problèmes qui sont nommés à des endroits où il n'y a personne. Et qu'inversement, il y a des gens qui occupent des zones où on n'a pas encore identifié des problèmes. Mais vous allez découvrir qu'il y a des gens qui sont sur des secteurs dont vous vous dites, tiens, bizarrement, j'aurais jamais pensé que j'avais des gens qui pouvaient faire ça. Et ça vous lui donne l'idée de faire émerger une innovation. Parce que j'avais préparé un exemple là, à propos du problème qu'on a fait tout à l'heure, dans lequel il y avait une dimension technique importante. Une dimension technique et je crois me rappeler aussi une dimension organisationnelle. Non, elle n'était pas organisationnelle, elle était de groupe. Ah, je suis embêté pour ça. Voilà, on était dans un système complexe. Hein, on cherchait une solution à ça. Et tout d'un coup, dans la liste de mes ressources, je découvre un texte qui s'appelle « Algorithme des fourmis ». On parle beaucoup à propos d'innovation, de ce qu'on appelle la sérendipité. Sérendipité. Oui, sérend ou sérène, bon, ça dépend le jargon qu'on parle. Et tout d'un coup, parce que je me suis dit, ben, finalement, j'ai un problème qui est complexe, qui regarde tous tes problèmes de déplacement, d'énergie, de trouver une solution vraiment nouvelle, originale et tout. Je tombe sur cette page. Parce que quelqu'un d'autre, à un moment donné, s'est dit, tiens, c'est quand même intéressant ce comportement des fourmis. Elles font quoi, ces fourmis? Elles sont toutes ensemble et bizarrement. Au début, on en voit qui partent dans tous les sens et puis qui vont à un endroit puis qui reviennent. Et puis quand on revient une heure après, elles prennent toutes le même chemin. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le problème que je vous posais tout à l'heure. Mais quelque part, ça a aussi à voir. J'ai un collectif qui se manifeste de l'énergie en fonction d'un but, qui teste des parcours, et petit à petit, eh bien, ils prennent tous le même parcours qui, comme par hasard, est le parcours optimal. Eh bien, ça m'inspire quelque chose face à mon problème. Et là, je vous décris quoi? Je vous décris une innovation logicielle qui a été fabriquée par une société de livraison de pétrole dans des stations-service aux États-Unis pour optimiser les parcours. Qu'est-ce qu'elles font, les fourmis? Eh bien, elles font leur petit bonhomme de chemin, puis elles reviennent et puis elles le refont. Pour savoir où elles le refont, évidemment, elles n'ont pas de boussole, ni de carte, ni de système d'observation rationnel comme nous. Elles déposent des phéromones. Il s'avère que les phéromones, elles s'évaporent. Donc en s'évaporant, les traces les plus longues sont de moins en moins refaites, puisque pour redéposer, il faut faire un chemin plus long. Par contre, les traces les plus courtes ont moins de dispersion de la phéromone. Donc la phéromone gagne en intensité. Donc les autres fourmis ont tendance à prendre ce chemin-là. Et au bout du compte, au bout d'un certain temps, elles passent toutes sur ce chemin sans s'être jamais concertées et sans qu'il y ait jamais eu une communication, une instruction ou quoi que ce soit. Et là, je me dis, ah, mais c'est très intéressant. Si je mettais des petits marqueurs
à chaque fois que les gens, dans le process et les tests qu'ils font, disaient, bah, tiens, on a commencé par faire celui-là. Alors, ils déposent un marqueur qui fait bip, 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 et puis ça s'amenuise au fil du temps, etc. Et puis comme ça, tout le temps. Et puis, on accumule les bips. Eh bien, il est clair qu'au bout d'un certain temps, les bips des process les plus courts, enfin des processus les plus courts accumulant toutes ces affaires-là, vont devenir beaucoup plus intenses, donc vont attirer beaucoup plus les autres pour pouvoir les optimiser. Je découvre que par hasard, ces rapidités, je suis tombé sur un truc, mais ce n'est pas tellement le hasard, puisqu'il a été marqué sur une structure de problème identique. Et tout d'un coup, je me dis, ben finalement, je vois qu'il y a des gens qui ont quelque chose à dire pour m'inspirer, des connaissances latentes, des compétences latentes que je n'avais pas prévues et qui sont peut-être la dernière. Alors après, c'est à ma capacité de... On n'est pas seul de toute façon. Il va y avoir des discussions, on va avoir des hypothèses, on va interpréter les choses, etc., etc. Donc c'est à la fois de la façon de forcer la chance, hein, et de bien savoir l'exploiter après. Bon, je voulais vous montrer cet exemple parce que je trouve que c'est assez amusant de voir comment on peut tomber dans ce qu'on appelle de l'hybridation ou du croisement. Croisement fertile, comment on appelle ça quand on fait des... Fertilisation croisée. Fertilisation croisée. Je ne suis pas dyslexique pour rien. Ce qu'a montré Michel, c'est que justement, on ne déclare pas des compétences contrairement à ce qu'on fait dans un CV ici. Là, tu me coupes si c'est ici. Non, tout à fait. Le problème du CV, c'est qu'on déclare ce qu'on a déjà fait en prétendant que du coup, on sait le faire. Bon, déjà, c'est pas parce qu'on l'a déjà fait qu'on l'a bien fait, et en plus qu'on aime le faire, et donc, c'est pas parce qu'on a accumulé des expériences qu'on est bon. Donc déjà, il y a un problème du CV, je trouve, pour décrire au mieux en quoi on va être pertinent par rapport à un poste donné. Là, il s'agit de déclarer, en gros, qu'est-ce qui nous intéresse de faire, quels sont les problèmes qui nous stimulent, qui nous motivent, ce qu'a expliqué Michel, et pour les entreprises, ben, quels sont les problèmes qu'elles rencontrent. Parce que pour répondre à un problème, il n'y a pas une bijection entre les problèmes et les compétences. Pour répondre à un problème, il y a 1000 formes de compétences possibles qui vont permettre de répondre à un même problème, selon la façon que les gens ont personnel de s'attaquer à ce problème. Et l'innovation de cet outil, elle est là, elle est dans le fait de renverser la chose et de dire, je ne décris pas des compétences, je décris des problèmes et des intérêts qu'ont les individus pour les résoudre. Du coup, il n'y a pas ce que vous dites qui est, je vais me survendre ou quoi. Là, c'est un peu une bourse, c'est un peu une place de marché. Une question d'envie, Ah oui. C'est ça qui fait l'énergie dans une entreprise, c'est la motivation. L'envie, c'est la compétence. Non, on n'ira pas jusque-là. On n'ira pas jusque-là, mais les politiques le prétendent. C'est assez classique. Donc c'est bien la preuve par l'absurde que l'envie ne fait pas la compétence. Mais il y a des domaines où l'envie fait la compétence. Quand vous prétendez que vous êtes capable de poser des sécurités sur des immeubles à grande hauteur, il est probable que l'envie que vous avez de le faire signe votre compétence, parce que si vous n'êtes pas compétent, ça risque de mal se terminer. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de gens, je pense même que c'est la majorité, qui n'ont pas envie de s'exposer au déboire, de ne pas être capable de faire ce qu'ils avaient dit qu'ils étaient capables de faire. On le sait vite. Dans une entreprise, on sait vite quels sont les gens qui font semblant de savoir faire quelque chose. Ils sont rapidement dénigrés et généralement, il y a des phénomènes assez sains de découragement. Mais on ne peut pas espérer qu'un système humain résolve tous les problèmes d'un coup. Et il les résolve absolument. Le problème est simplement de savoir
si la majorité des gens dans une entreprise ou dans une université et tout, quand ils disent qu'ils ont envie d'apprendre l'histoire, ils racontent des histoires. Quand ils disent qu'ils ont envie de faire des maths, ils le font par faux calcul. Ou quand dans une entreprise, ils disent qu'ils préfèrent manager des équipes que de travailler seul dans un labo, eh bien, c'est pas qu'ils ont vraiment envie et la capacité de manager des équipes. Comment vous allez dire que vous avez envie de manager des équipes si vous ne savez pas le faire? C'est infernal. L'enfer, c'est les autres, comme dit l'autre. Hein, c'est, on va pas... Alors, moi, j'ai plus de réponse à ça, sauf à dire que ce qui caractérise un mouvement, c'est qu'il y a évidemment du déchet et qu'il y aura des erreurs et il y a des gens qui vont essayer de tricher. Il y a des gens qui vont essayer de tricher. Mais je vous dis, allez sur Prime Minister ou allez sur Amazon et regardez la quantité de vendeurs qui ont des notes très, très mauvaises. Eh bien, il n'y en a quasiment pas. Si les gens ont envie de vendre leurs choses, ils savent que ça va passer par leur réputation. J'ai des expériences des deux cas. Parce qu'il se trouve, ça fait maintenant près de 25 ans que je fais ce genre de choses suite à l'invention des arbres de connaissance. Premier problème, les gens qui se surévaluent et qui en disent trop. Et ça, c'est la grande crainte des entreprises. Et c'est pour ça qu'elles disent, faut un système de validation sérieux, faut bloquer et tout. On leur a toujours dit, écoutez, faites ce que vous voulez, la validation, c'est pas notre problème. Si vous voulez valider, validez les informations, inventez les dispositifs de validation qu'il faut. Mais en attendant, laissez les gens s'exprimer librement, et puis vous verrez bien. Parce que ça vous permet au moins de tester le système. Je vous assure que ça soit chez EDF, chez France Télécom, dans des banques, dans des sociétés de conseil, ils ont tous voulu valider, et au bout du compte, ils n'ont jamais validé. Ce qu'ils ont regretté, c'est que les gens disaient moins que ce qu'ils savaient faire. Dans l'énorme majorité des cas, les gens n'osaient pas avouer toutes les compétences qu'ils avaient. Ils se sous-estimaient plutôt qu'ils avaient tendance à se surestimer. Par contre, quand les gens se sous-estiment et qu'ils découvrent que sur une compétence, il y a plein de personnes qui ont dit qu'ils avaient la compétence, ils se disent, c'est quand même bizarre qu'il y ait tellement de gens qui disent qu'ils ont la compétence et que moi, je ne le dise pas. Donc, il y a un effet de stabilisation à travers le groupe qui est du type, j'aurais honte qu'on s'aperçoive que je n'ai pas vraiment cette compétence quand je prétends l'avoir, qui est un facteur diminutif, si je puis dire, régressif, et un facteur qui est extensif, c'est qu'avoir les autres se positionner sur des problèmes sur lesquels on a le sentiment qu'on aurait peut-être pu dire quelque chose, alors ça vous pousse à dire quelque chose. Et on est dans une espèce de serpent qui est coincé entre la crainte de la surestimation, parce qu'on va vraiment passer pour n'importe qui, et puis la fierté de se dire, ben quand même, moi je pense que s'il y a 25 personnes dans l'entreprise qui prétendent avoir quelque chose à dire sur ce problème, eh bien, je peux être la 26e parce que je suis certainement meilleur que beaucoup d'entre eux. Vous voyez ? Donc, c'est l'intérêt de faire les choses collectivement. C'est un des autres gros problèmes de la compétence. C'est que des référentiels de compétences, c'est que vous n'avez jamais la vision globale des interactions entre tous les individus. Vous les avez un par un. Et le jour où on s'aperçoit, trait de génie, alors qu'on sait ça depuis la nuit des temps, que le travail, il est toujours à dimension collective. Même le plus grand professeur du Collège de France fait cours avec ses auditeurs. Même le chef d'entreprise le plus dictatorial fait son entreprise avec son conseil d'administration, avec son comité de direction, avec des autres. Donc c'est toujours... Même Andrew Wiles, qui a résolu le théorème de Fermat, il a travaillé avec toute la communauté des mathématiciens de la théorie des nombres. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le génie à l'état pur. Mozart avait un père qui était un grand musicien. Donc, il y a toujours... Et la compétence collective, on ne sait rien en dire.
Et les attaques de problèmes avec compétences collectives, c'est d'une bêtise hallucinante. Parce qu'on sait très bien que si vous prenez les deux individus compétents qui rempliraient bien les deux points faibles de votre situation, eh bien, il suffit qu'ils ne puissent pas se sentir, comme on dit, affaire de phéromones, eh bien, tout d'un coup, ça ne va pas marcher. Donc, l'envie de travailler ensemble est aussi quelque chose qui compte. C'est pour ça qu'on a mis un dispositif de rencontre, pour que les gens puissent, vous voyez ce que je veux dire, comme font nos compagnons, se sentir un peu avant de savoir s'ils font affaire.